Lâche-moi un peu, cette saloperie! Ouais, c'est un petit projet de psycho! Hé, faites attention! L'amiral est dingue d'avoir voulu ramener ça. Vous avez un truc à dire, Collins? Non, chef. C'est bien ce que je pensais. Il était pas mort. Maintenant, il l'est pour de bon. On a vu la même chose avec le générateur dans la mine. Ces créatures ont l'énergie des sources d'alimentation à l'entour. Vous auriez pu nous le dire avant qu'on amène ça à bord. Nomade, l'amiral veut vous voir tout de suite dans le centre de commandement. La transmission vidéo que vous avez envoyée a fait sensation ici. On ferait mieux d'y aller. Madame? Allez-y, on se voit plus tard. Allez, l'amiral vous attend. Content de vous voir, Psycho. Où étiez-vous passé? J'ai parlé à Prophète. Pète les plombs, mon pote. Je sais pas ce qu'il a vu dans la sphère, mais ça l'a bien secoué. Il arrête pas de dire qu'il peut retourner sur l'île. Elena pense avoir découvert comment saloperie communique. Ils utilisent des signaux électriques. On va essayer de reproduire leurs signaux histoire de les court-circuiter à la finale. Ça me paraît taré comme idée, mais bon. L'officier McColgan est attendu à l'armurerie. Buck McColgan, à l'armurerie. Le pont est saturé, chef. Pour le centre de commandement, c'est en bas. Joli. Lexington est en train d'essuyer une attaque. Bien. Le vaisseau orbital arrive du Japon. D'ici là, on va faire avec les moyens du bord. Je veux un centre de soins d'urgence tout de suite. Oui, chef. Le docteur Rosenthal est attendu au centre de commandement. Docteur Rosenthal au centre de commandement. Lieutenant Neumann, présentez-vous sur la plateforme d'envol. Lieutenant Neumann. Eh, c'est vous le mec des forces spéciales qui est allé à l'intérieur? Laissez monter, lieutenant. Le centre de commandement est en place. Le centre de commandement, c'est cette porte qu'il faut suivre les indications. C'est là, mon pote! Je vais tenter de trouver Prophète avant qu'il fasse une connerie. Je vous retrouve plus tard. Strickland, si vous m'entendez, vous devez évacuer toute l'île au plus vite. Il y a des bestioles et elles se réveillent. C'est une vraie invasion. Nomade, vous avez fait du bon boulot, fiston. Grâce à votre transmission vidéo, les chefs d'état-major préconisent une frappe nucléaire. Dès que j'ai la confirmation finale de la Maison Blanche, on va réduire ces saloperies en poussière. Amiral, on ne devrait peut-être pas se précipiter. On devrait explorer les autres possibilités. Vous voulez parler à la place du président? Des chefs d'état-major? Je pense que vous ne saisissez pas la gravité de la situation, docteur. Il y a environ une semaine, nos renseignements militaires ont détecté des signatures thermiques anormales sur cette île. Au début, nous avons pensé à des essais nucléaires coréens. La CIA et la NSA sont au courant. Ça devrait s'arranger. Il y a 4 jours, la NASA a intercepté un signal haute fréquence émis depuis le cœur de la montagne. La balise émet ce signal vers une étoile, quelque part dans la galaxie M33. C'est à quasiment 4 millions d'années-lumière d'ici. C'est peut-être un signal de détresse. Un appel à l'aide. Selon vous,
les échantillons collectés en plusieurs millions d'années. Oui, c'est vrai. Mais cette technologie est des plus avancées. Elle ne vient pas de notre planète. Si ces créatures sont perdues sur Terre, elles appellent peut-être à l'aide. Peu importe leur nature et leur origine, nous devons agir rapidement. J'ai des avions armés de missiles nucléaires en stand-by. Sauf votre respect, on ne sait même pas si nos missiles perceront leur périmètre de défense. Si vous voulez des garanties, changez de métier. Je ne vais pas rester là à papoter alors que la sécurité de notre planète est en jeu. C'est du suicide. Jusqu'à présent, ces choses ont drainé toute l'énergie des sources d'alimentation qu'elles ont trouvées. La montagne s'est transformée en un immense collecteur d'énergie. Regardez le diagramme. Cette source d'énergie court à travers toute la structure de la montagne. Comparez son profil à celui de la créature qu'on a ramenée à bord. À mon humble avis, il s'agit d'une entité biologique dont la nourriture est l'énergie électrique. Je ne peux pas imaginer les conséquences d'une frappe nucléaire sur ces structures. Et si on ne fait rien, que va-t-il se passer d'après vous? Il existe une alternative. Laissez-moi juste un peu de temps. Nous n'avons plus du tout le temps, docteur. Monsieur, on a perdu le contact avec l'USS Lexington. Je veux que tout le personnel secondaire sorte d'ici immédiatement. Je serai dans l'armurerie. Venez me voir quand vous en aurez fini avec cet abruti. Vous aussi, vous devez sortir, lieutenant. J'ai croisé votre commandant qui descendait à l'armurerie. Je pense qu'il vous attend. Mince, il doit y avoir une erreur. On n'est pas équipé pour gérer autant de blessés. Cherchez l'armurerie, au fond du couloir, et à droite. Amiral Wehring est attendu sur le pont. Amiral Wehring, veuillez vous rendre sur le pont. C'est vous, Nomad. Super boulot, bravo, lieutenant. Il paraît que vous êtes entré dans la sphère. Ah, ces nano-combis, c'est quelque chose. Au maximum. J'ai fait des tests préliminaires. Une sorte d'accumulateur. J'ai jamais vu un truc pareil. Je sais pas comment ce truc a réussi à le faire marcher. Avec ces petits changements. J'ai redirigé le surplus de puissance vers les propulseurs hydrauliques, comme prévu. Vous êtes prêts au combat? Mais bien sûr! Asseyez-vous, lieutenant. Nous sommes impatients de récupérer les données enregistrées par votre combinaison. Lancer une frappe nucléaire sur l'île est une solution plutôt radicale. Ce que l'amiral Morrison pense, je m'en contrefous. Sa frappe n'aura absolument aucun effet. Prophète, attendez! Alors, que puis-je faire pour vous, docteur? J'ai identifié le signal émis par ces créatures lors de leur rechargement. En l'amplifiant, on peut provoquer chez elles une surcharge énergétique. Serait-il possible de relayer leur signal avec la nano-combinaison? Ça devrait pouvoir se faire, je vais étudier ça. Est-ce que je peux altérer la fréquence du signal à distance? Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez émettre le signal depuis n'importe quel dispositif sans fil. Vous allez pouvoir faire des expériences. Et qu'est-ce que vous voulez me faire, au juste? Si ma théorie se confirme, nous pourrons vous équiper pour affronter cette créature. Et si vous vous plantez? Il y a juste à espérer que Morrison sait ce qu'il fait. Le docteur Rosenthal est attendu sur le pont. Le docteur Rosenthal sur le pont immédiatement. Ne faites pas attendre l'amiral, docteur.
Je vais m'occuper du reste. Ok. Nomad, retrouvez-moi sur le pont quand vous serez prêt. Beau brin de fille. C'est plutôt rare chez les scientifiques. Si j'avais 10 ans de moins... Ah, voilà ce que j'attendais. Posez cette arme sur leur atelier. Ouais. Un prototype de canon PAC conçu pour être utilisé avec la nanocombinaison. On est encore en phase d'essai et on ne l'a pas encore testé au combat. Ça permet de lancer des têtes nucléaires tactiques. Un peu comme un lance-grenade, mais avec une force de frappe supérieure. Qu'est-ce qu'ils vont inventer après ça? Est-ce que je peux l'essayer? Non. Bon, je pense qu'on en a terminé, lieutenant. Je vais laisser au docteur Rosenthal le soin de régler votre émetteur. Merci, Doc. Pas de problème. Vous devriez filer sur le pont, l'amiral n'est pas réputé pour sa patience. Armure maximum. Force maximum. Nomad! Si vous voyez Lena, vous pouvez lui dire que... Non, rien. Camouflage activé. Doucement, armure maximum. C'est volatile. Calmos, je sais ce que je fais. Messieurs, je suis l'amiral Morrison. Il y a quelques instants, le président m'a donné l'autorisation de lancer une frappe nucléaire limitée sur les ennemis qui ont envahi l'île. Le recours à la force nucléaire est une décision de la plus haute importance. Nous ne connaissons toujours pas la nature exacte de l'opposition. Mais grâce aux renseignements fournis par nos forces spéciales, nous estimons que notre planète court à l'heure actuelle un très grave danger. Force maximum. Quoi qu'il arrive dans les minutes qui viennent, je m'attends à ce que chacun de vous accomplisse son devoir avec honneur et professionnalisme. Dans l'immédiat, présentez-vous à vos positions de combat. Et préparez-vous au choc. On va leur donner une bonne leçon. Tous les membres des forces spéciales sont attendus sur le pont immédiatement.